Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à notre quatrième module sur les finances climat et les finances climat, mais aussi les finances du marché carbone. Je m'appelle Séni Salak et je viens en soutien au directeur de ce cours, le professeur Goodwell Namo, pour vous donner un appui dans la langue francophone de l'essentiel des idées du cours. Donc, dans la suite de ce cours, nous allons voir ces différents points. D'abord, nous allons regarder un peu, avoir un aperçu général sur les finances climat et définir un peu les rôles des différentes banques, les banques centrales, mais aussi les banques privées et commerciales, les banques de développement multilatéral, et voir aussi les concepts de financement bilatéraux et multilatéraux existants à l'échelle donc du cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. À la fin de ce cours, vous serez à mesure donc d'identifier les acteurs et les mécanismes qui existent actuellement dans le cadre donc des finances climat. Connaître ou reconnaître certains des fonds qui existent à l'échelle globale et quels sont les mécanismes d'adhésion, comment y accéder. Cela vous permettra justement d'aider vos gouvernements, vos pays, mais aussi vos institutions à y accéder facilement. Il est important également que vous soyez concentré afin de comprendre quel est le rôle que les banques peuvent jouer. Toutes les catégories de banques, les banques centrales, les banques privées, les banques multilatérales, et identifier aussi les modes de financement qui sont mis en place pour l'adaptation, pour l'atténuation, pour la transition vers une économie sobre en émissions de gaz à effet de serre, et voir aussi quelle est la structuration des marchés obligataires qu'on appelle les marchés d'obligations vertes et bleues. Donc, l'objectif ici, c'est d'abord de mettre en évidence toutes les méthodes utilisées par les marchés financiers et avoir un aperçu efficace de comment on peut prendre avantage de ces mécanismes de financement qui existent afin de mieux lutter contre les effets des changements climatiques, mais aussi réduire l'empreinte carbone des activités humaines dans le point texte des changements climatiques. Pour cela, donc, nous allons aborder six thèmes que je vais donc essayer de détailler l'un après l'autre. Voyons un peu faire un panorama de financement climatique et du marché carbone. Pour cela, je vous invite à cette petite vidéo que vous pouvez facilement visualiser et qui vous fait un résumé de l'essentiel de cette question-là. Donc, quand on parle de finance climat ou finance du marché carbone, financement du marché carbone, c'est surtout l'accent qui est mis ici sur les financements concernant l'atténuation, mais aussi les financements concernant d'autres engagements tels que l'adaptation, les pertes et préjudices. Et donc, dans ce cours-là, nous allons apporter un accent particulier sur les finances, sur le financement de l'atténuation, et aussi mettre un peu l'accent sur les modalités de mobilisation à l'échelle nationale de ces financements-là, sachant que, bien sûr, ces financements existent dans divers réseaux, dans diverses modalités, et il faut savoir justement lequel choisir et par quelle approche. Alors, les ressources financières et des investissements sûrs sont bien sûr nécessaires pour qu'on puisse justement lutter contre les effets néfastes des changements climatiques, mais aussi pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et pour cela, justement, on a un certain nombre de ressources financières qui sont mises en place dans le contexte global, mais aussi dans les contextes bilatéraux et multilatéraux. Cela va aussi dans le sens de
de nouvelles notions qui aujourd'hui de plus en plus sont en train de prendre, de faire surface, en particulier par exemple les pertes et préjudices qui justement résulteront des événements extrêmes climatiques à l'échelle globale. Ainsi, les principaux types de financement climatique et la manière dont les différentes institutions interagissent entre elles vont être examinés dans ce cours et nous allons avoir une meilleure connaissance des financements pour l'atténuation, mais aussi des financements sur les mesures d'adaptation et les pertes et préjudices. Alors, selon la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, le financement climatique désigne le financement local, national ou transnational susceptible de provenir de diverses sources, que ce soit des sources publiques, des sources privées, des sources alternatives, selon le cas, et qui doit justement contribuer à réduire non seulement les émissions de gaz à effet de serre, en renforçant bien sûr les puits de gaz à effet de serre, mais également à réduire la vulnérabilité. Vous vous rappelez, dans le module 2, on avait parlé du concept général, du grand objectif général de l'accord de Paris, c'est développer ou renforcer, développer une certaine résilience des populations du monde face donc aux effets des changements climatiques. Eh bien, les financements climatiques sont déterminés, sont développés dans ce sens-là pour non seulement réduire les émissions de gaz à effet de serre, réduire la vulnérabilité des systèmes globaux, humains écologiques, pardon, face aux impacts négatifs des changements climatiques. C'est donc un instrument à vocation financière, certes, mais aussi qui a un aspect qui est relativement politique. Donc, dans ce tableau, on essaie de faire un jumelage des deux pour comprendre mieux de quoi on parle. Il y a des instruments de financement de type crédit, d'accord, des prêts, pardon. Il y a aussi des obligations vertes ou bleues, selon le cas, des garanties de prêt, des assurances indexées, il y a des crédits d'impôt, il y a des tarifs de rachat de garantie, mais également l'implication à l'échelle donc bilatérale et multilatérale des banques nationales de développement, mais aussi des banques multilatérales, ainsi que les fonds nationaux qui existent dans le contexte des changements climatiques. Alors, les différentes politiques de financement qu'on a, elles sont regroupées en trois grandes catégories. Les politiques axées sur la demande, celles qui sont axées sur l'offre et les politiques qui combinent ces deux aspects-là. Pour les politiques axées sur la demande, elles désignent celles qui créent et augmentent la demande effective de financement climatique et permettent de convertir aux besoins, bien sûr, des investissements verts et des projets qui sont élaborés dans ce sens. Les politiques de la demande concernent les incitations fiscales, les tarifs de rachat, les prix de rachat et les prix carbone qui permettent justement de prendre en compte les externalités négatives que cela peut induire. Les politiques de l'offre constituent aussi des politiques destinées à accroître l'offre de financement disponible pour les projets ou les secteurs verts. Et cela grâce donc à la création de mesures incitatives et bien sûr des cas de pénalité selon la situation qui s'impose. Alors, il y a les politiques incitatives comme j'en ai parlé. Celles-là, en fait, elles correspondent à des prêts ciblés, des obligations vertes. On va connaître ce qu'est le concept d'obligation verte, mais aussi des cas d'assurance verte selon les choix que les parties auront fait. Alors, il y a des jargons qui sont utilisés dans le domaine des finances climat. Donc, vous entendez parler de pollueur-payeur. Le principe de pollueur-payeur, tout simplement, désigne cette pratique-là qu'on a globalement acceptée pour que, selon la quantité d'émissions de gaz à effet de serre d'un pays ou d'une partie, donc les pays qui sont responsables de gros taux de pollution dans l'atmosphère doivent être capables de supporter le coût de la gestion justement et aussi des dommages que cela peut causer du point de vue environnemental et santé humaine.
On parle également de responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives. Dans l'ordre, les responsabilités communes mais différenciées ici prennent en compte les différentes capacités et les responsabilités de chaque pays dans la lutte contre les changements climatiques. Donc, si vous avez un pollueur-payeur d'un côté, vous avez parmi ces pollueurs-payeurs également des différents, à différents degrés. Et selon donc les proportions des responsabilités, on va avoir des responsabilités qui sont communes, mais aussi d'autres responsabilités qui sont spécifiques à certaines catégories. L'additionnalité. On dit que les financements climatiques sont additionnels quant aux autres engagements déjà existants. Ceci, c'est justement pour éviter que les fonds soient détournés à des destinations autres que les besoins de développement et d'action pour lutter contre les changements climatiques. C'est ainsi qu'on voit les financements climatiques comme des financements additifs, ou additionnels, ils ont ce qualificatif d'être additionnels aux autres financements qui existent, par exemple le financement pour le développement. Adéquation et précaution. Donc, on parle d'adéquation et de précaution quand il s'agit de, en fait, regarder le niveau de financement nécessaire qui doit être suffisant pour maintenir la température globale aux limites que nous sommes fixées dans l'accord de Paris. La prévisibilité, le financement climatique est censé être prévisible ou prévu dans les budgets nationaux, dans les budgets globaux, afin justement de pouvoir garantir un flux durable de ces financements-là vers les besoins pour lesquels il a été défini. Cela ainsi va permettre de mettre en place un programme d'investissement adéquat pour renforcer les priorités nationales des pays en matière d'adaptation, d'atténuation, de pertes et dommages, etc. Voici un diagramme qui a été publié récemment sur une initiative de politique climatique générale, qui montre un peu le diagramme des 5E, qui montre la distribution et la typologie selon la nature des financements et les directions, les sens dans lesquels ces financements-là sont. Donc, tout ce qui est en bleu, bleu clair ou bleu foncé, c'est les sources de financement public. Ce qui est rouge ici, c'est les sources de financement privé, rouge clair et rouge foncé. Et l'air de la figure ou de la branche est épaisse, pardon, plus donc la majeure partie donc, de ce financement va dans le sens de ce qui est dans la colonne. Et donc ici, par exemple, vous avez le cas de la mitigation, de l'atténuation, où on a un grand nombre donc, de millions de dollars qui est investi dans ce sens-là. Donc, ici, justement, c'est un diagramme qui a été publié par l'IPC et qui présente les moyennes annuelles pour atténuer les fluctuations dans l'atténuation, mais également dans les autres types de projets qui sont définis à l'échelle globale par les parties, c'est-à-dire les pays, dans le cadre donc, de la lutte contre les changements climatiques et les émissions de gaz à effet de serre. Alors, ce qu'il y a, c'est que jusque-là, les financements climatiques ont un certain nombre de caractéristiques. Il y a un manque de clarté, par exemple. Il existe un manque de clarté constant, d'accord, sur la manière dont les financements climatiques sont censés être définis et comptabilisés. Et cela, donc, suscite un certain nombre de préoccupations qui ont été soulevées de part et d'autre pendant les différentes négociations au cours des événements des COP. Il y a la définition du financement climatique qui varie en fonction des rapports. Donc, bien sûr que les définitions selon les rapports qui sont émis, soit faits par le secrétariat donc, de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, mais également par les pays individuels. Et cela, justement, parce que les méthodologies utilisées sont toujours remises en cause et il va falloir que tout cela soit standardisé. La partialité concernant l'atténuation. On a tendance justement à avoir un financement climatique qui jusque-là avait une orientation claire en faveur de l'atténuation, donc jusqu'en 2014, 2013 à 2014, 70% de ce financement-là partait justement dans ce sens. Alors, donc, depuis un certain temps, il va falloir
recadrer un peu les choses, puisqu'on peut faire de l'adaptation qui peut contenir une composante atténuation également. Mais également, il faut tenir compte du fait que les pertes et préjudices sont toujours là, dus aux événements extrêmes climatiques. Et donc, il va falloir regarder un peu et diminuer cette impartialité. Alors, il y a aussi une menace sur les contributions des principaux responsables de la pollution. On parlait de pollueur-payeur. Ben, par exemple, le cas le plus flagrant et bien connu et médiatisé, c'est par exemple au temps de Donald Trump, où il avait carrément retiré les États-Unis de l'accord de Paris. Ça, ce sont ces types de menaces qui sont là, et ce n'est pas seulement les États-Unis, il y a beaucoup d'autres cas d'exemples qui sont là et qu'il faut impérativement travailler dessus pour les éviter. Les fonds là sont insuffisants. Il y avait un objectif de 100 milliards de dollars pour le financement de la lutte contre les changements climatiques, mais ça, ce n'est qu'une maigre contrepartie par rapport aux besoins réels. Et cela est vrai un peu partout dans le monde entier. Donc, du coup, pour le cas de l'Afrique, par exemple, on a des besoins bien chiffrés que nous allons voir bien, un peu en avant. Donc, il y a une utilisation finale aléatoire qui est faite de ces finances-là, et il semble difficile de garantir que ces fonds-là vont être consacrés aux priorités climatiques. Alors, il y a des contraintes également. Donc, enfin, pour la mise en œuvre des engagements de l'Afrique, par exemple, à travers tout ce que les pays avaient exprimé dans leur, on se rappelle bien du terme CDN, c'est-à-dire la contribution déterminée au niveau national pour les investissements. Entre 2020 et 2030, en Afrique, on avait exprimé un besoin de l'ordre de 1,3 à 1,6 milliards de dollars. Bon. Pourtant, le financement climatique engagé et mobilisé pour l'Afrique reste en deçà des besoins du continent et ses parts antérieures d'émissions, parce qu'on sait que l'Afrique n'émet pas beaucoup de gaz à effet de serre, à peu près 3,5 à 4 % de gaz à effet de serre est contribué par l'Afrique. Mais c'est l'Afrique qui subit le plein fouet les conséquences donc, des changements climatiques. Donc, le contexte global du financement climatique reste très diversifié et reflète un peu l'économie politique et l'architecture dominée par les grands bailleurs donateurs, bien sûr. Alors, pour plusieurs instruments innovants de financement sont susceptibles d'être utilisés pour soutenir la résilience climatique et la transition énergétique en Afrique. Donc, au niveau national, les banques vertes et les fonds nationaux pour le climat, ainsi que les financements fixes, sont susceptibles d'être utilisés pour atténuer ces risques-là. L'exploitation d'instruments de financement innovants nécessite également qu'il y ait des actions concrètes des acteurs clés du financement climatique. Ainsi, nous allons faire une transition pour regarder un peu les types de financements qui ont été promis déjà, les montants qui ont été promis et les types de financement. Donc, on a un financement pour l'adaptation qui était le montant prévu était de 259 à 407 milliards de dollars US. L'atténuation, c'est au-delà de 700 milliards. Et les besoins techniques pour le transfert de technologies, les besoins en termes de pertes et préjudices aussi sont donnés, et également les besoins pour le contrôle, le rapportage et la vérification du système de MRV, qui également va au-delà de 150 millions de dollars. Donc, ça, c'était ce que la BAD a eu à publier aux besoins en fonction de ce que les pays avaient déclaré et en fonction de ce qui existe déjà comme promesses faites par les donateurs clés au cadre mondial des Nations Unies sur le changement climatique. Voici un diagramme qui résume la situation. On a un cas d'exemple, je prends ici le cas de l'Afrique de l'Ouest. D'accord? Les besoins, c'est ce que la base limite inférieure des besoins, c'est ce que vous avez ici en total, en milliards de dollars, et qui est donné par la couleur verte ici. Et l'orange, la couleur orange ici, c'est le seuil maximal nécessaire. Donc, vous voyez, et de ce total-là, bien sûr, il y a un support, la contribution venant donc du système international, global, à partir des fonds de financement, les financements déjà existants mis en place à l'échelle globale. Voilà ce dont l'Afrique de l'Ouest a besoin.
Et donc, vous allez remarquer justement que les besoins en Afrique sont beaucoup plus importants que ce qui est déclaré pour l'instant déjà, ou bien ce qui est acquis par certains pays à travers les différents fonds. Cela va aussi les différents secteurs. Quand on regarde les secteurs, il y a bien sûr à peu près 26% du total des apports financiers climatiques qui sont allés entre 2010 et 2019, sont partis dans le secteur de l'énergie. Pourquoi? Parce que cette tendance, elle se poursuit parce que, en gros, très souvent, le secteur de l'énergie fait appel également au secteur privé. Et donc, il fait intervenir le secteur privé. Alors, c'est cette tendance-là, cette tendance semble se poursuivre compte tenu de l'objectif d'émission de net zéro dont on a parlé dans le module 2 d'ici 2050 et compte tenu du grand intérêt qu'a manifesté le secteur privé et d'autres partenaires bilatéraux et multilatéraux. Juste un graphique ici qui illustre un peu la représentativité des pays. Quant au tiers du déficit de financement climatique de l'Afrique dans le secteur de l'énergie. Et on voit bien sûr que le gap est beaucoup plus important dans certains pays comme l'Égypte et le Nigeria comparé à d'autres pays. Alors, regardons un peu quels sont les rôles qui sont attribués aux banques, en particulier les banques centrales. Là également, je vous donne ces liens. Je vous redirige vers des petits liens comme ça qui peuvent vous expliquer mieux, pas mieux, mais pas détaillé. Par exemple, pour le premier cas, 4 minutes seulement. Par contre, si vous suivez le webinaire sur les pratiques nationales et tendances internationales, y compris l'Afrique du Sud, qui est de 1h38 minutes, vous pourrez avoir des détails, mais également la taxation du carbone et la coopération multilatérale de 1 heure à peu près. Alors, le rôle des banques centrales dans le financement climatique et des marchés carbone est vu selon le principe que les banques centrales se préoccupent principalement de la stabilité financière et de la protection des systèmes financiers, afin qu'ils ne soient pas affectés par les risques liés au changement climatique. Et donc, en tant que régulateur et superviseur des systèmes financiers, la Banque centrale se charge de veiller à ce que les produits financiers concernant justement les financements du climat soient utilisés pour permettre de résoudre les problèmes de l'impact des changements climatiques sans toutefois interrompre la stabilité financière et économique. Donc, le comité de Bâle sur le contrôle financier conclut que les catégories de risques traditionnels utilisées par les établissements financiers et reflétées dans le cadre de Bâle peuvent être utilisées pour appréhender les risques financiers liés au climat. Cependant, d'autres travaux supplémentaires sont nécessaires pour mieux faire cette liaison-là entre les facteurs de risque climatique et les expositions auxquelles les banques sont exposées et voir la fiabilité et comment est-ce que les risques peuvent être amoindri ou minimisé. Alors, quant aux banques privées et commerciales, puisqu'elles pratiquent le commerce, elles ont trois rôles importants, influents sur le financement climat. Un, en tant qu'évaluateur et gestionnaire des risques, créanciers et investisseurs, mais aussi en tant que spéculateurs et intermédiaires sur les marchés mondiaux lucratifs du carbone et les investissements sur les technologies, par exemple le transport de technologies et les idées de technologies renouvelables à faible émission de carbone. Ensuite, les banques commerciales et privées, elles occupent une position unique pour influencer justement les pratiques commerciales et les émissions de gaz à effet de serre d'autres acteurs du monde des affaires, grâce à leur rôle de créancier, d'investisseur et de conseiller, mais aussi responsable des chaînes d'approvisionnement. Donc, ainsi, dans le financement climatique et les marchés, les finances climat et le marché carbone offrent ainsi donc des possibilités en matière d'innovation pour ces banques-là. Donc, il y a les deux cas de figure. Les banques ont cette opportunité-là à travers les financements climatiques, mais aussi le financement climatique prend avantage de ces banques-là pour un certain nombre de faits que j'ai listés déjà. Donc, les banques commerciales et privées, elles
Ils ont plusieurs approches, donc les prêts en fonction donc des changements climatiques. Très souvent, ils vous octroient les prêts en tenant compte justement de tous les aspects liés au changement climatique. Elles sont également impliquées dans les obligations vertes et les prêts verts, et en même temps que les obligations des prêts liés au développement durable. Donc, du coup, les titres qui sont adossés à des actifs verts, par exemple, sont aussi certains de ces aspects que les banques utilisent, et ce qui fait que s'ils sont sur le marché international, justement, ils tiennent compte de ces aspects-là. Et toutes les informations liées donc aux fluctuations climatiques, mais aussi au changement climatique à moyen et long terme. Alors, quel est le rôle des banques de développement multilatéral? C'est ça que nous allons voir. Et là également, je vous invite à vous documenter à travers des liens YouTube faciles à écouter pour justement mieux comprendre quels sont les grands investisseurs multilatéraux en matière d'investissement climatique dans les pays en voie de développement, et mais également la pratique des banques centrales et les transitions dans le contexte des transitions écologiques. Et quelles sont les différentes stratégies qui sont mises en place. Alors, les banques multilatérales de développement, que dorénavant je vais appeler BMD, assument cinq rôles clés pour justement soutenir la transition vers une économie à faible émission de gaz à effet de serre. Un, c'est le financement des investissements en matière d'infrastructure. Le deux, c'est la mobilisation de ces investissements-là, en particulier venant du secteur privé, du secteur public, mais aussi les investissements tiers. Les intermédiaires, ils jouent le rôle d'intermédiaires qui combinent le financement climatique international et le financement public du développement avec leurs propres ressources dans le but de mobiliser et d'accroître les investissements privés dans les infrastructures. C'est les influenceurs politiques également, susceptibles de contribuer à l'élaboration des cadres politiques généraux et spécifiques destinés à susciter et à orienter les investissements privés. C'est également des promoteurs de projets. Donc, très souvent, quand vous avez des financements, ils peuvent vous aider à mieux peaufiner vos projets, mais dans l'autre sens aussi, ils peuvent vous aider à mieux développer un projet bancable et donc investir aussi dans ces projets et faire des démonstrations de nouvelles idées, d'innovation et prouver la viabilité commerciale de l'idée dans le cas échéant. Voici un diagramme qui montre un peu, qui indique le financement climatique des banques multilatérales de développement de 2016 à 2020 par rapport aux objectifs qu'elles se sont fixés en 2020. Certaines ont atteint ces objectifs, d'autres ne l'ont pas. Par exemple, la PAD, ici, en jaune, l'objectif de 40% qu'elle s'était fixé n'est pas encore atteint. Donc, il y a encore des efforts à faire dans ce sens. La BAD dispose de plusieurs fonds collectés par le marché carbone, le fonds climat et des infrastructures que les gouvernements et les entités accréditées sont susceptibles de solliciter, notamment les fonds pour les changements climatiques en Afrique, pardon, les FCCA, le fonds climat Canada Banque africaine de développement, qui est aussi un fonds qui existe là-bas, le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, le mécanisme des avantages d'adaptation, le programme d'appui au financement carbone Afrique, le fonds d'investissement climatique, le fonds forestier du bassin du Congo et le fonds pour l'environnement mondial. Donc ça, ce sont les différents fonds qui sont disponibles au niveau de la Banque africaine de développement et que justement les entités peuvent essayer de toucher. Ce qui est important, c'est que jusque-là, à la banque, la part de financement climatique dans les approbations de la banque présente une courbe ascendante. En d'autres termes, que la banque facilite justement l'accès à ces fonds-là, plus ou moins. Mais ce qui est important, c'est que ces fonds sont accessibles et cette courbe-là montre que jusque-là, depuis 2017 jusqu'à nos jours, les fonds sont en train bien d'être utilisés par les tiers. Alors, c'est un résumé graphique des différents montants qui ont été approuvés par la banque dans les différents fonds-là. Le vert, c'est le fonds adaptation. L'orange, c'est pour l'atténuation. Et le noir, c'est les finances climat de manière générale. Et donc, vous voyez, à certaines années,
L'accès aux fonds est très important et d'autres années, il est le moindre parce que, bien sûr, en fonction de la durée de vie des projets et en fonction des demandes qui sont faites par les parties, par les pays africains, cela change. Alors, il y a des mécanismes de financement justement approuvés, approuvés à l'échelle des banques multilatérales et nationales. Nous avons les fonds d'investissement, le Climate Investment Fund ou le fonds d'investissement climat qui existe et dont justement les objectifs sont assez détaillés ici, qui comprend deux volets, un volet multi-donateur et un volet sur les technologies, le fonds des technologies propres et le fonds stratégique climat. Donc, ces trois composantes-là sont prises en charge par le fonds. L'objectif global ici, c'est de se retrouver avec des mécanismes ou des projets qui ont des idées de mise en échelle et de d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. D'autres mécanismes de financement existent également et tout ça, vous pouvez les lire justement dans le petit rapport du Commonwealth Climate Finance Access. Il est publié en 2020. Alors, regardons un peu les financements bilatéraux et multilatéraux disponibles au niveau du cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et là également, vous avez des vidéos auxquelles je vous fais référence pour que vous puissiez à tête reposée justement comprendre mieux et rajouter à ce qui est dit ici dans ce cours. Alors, les financements bilatéraux et multilatéraux à l'échelle donc du cadre mondial, du cadre des Nations Unies sur le changement climatique, il y a diverses lignes budgétaires selon les donateurs, en particulier les pays développés comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon. Et cela repose généralement sur des accords de pays à pays. Les fonds climatiques multilatéraux constitués par des institutions internationales et financés par plusieurs pays développés et destinés à être distribués donc à travers des subventions ou des prêts. Et vous avez aussi les autres formes de financement climat qui sont notamment les fonds bilatéraux, donc entre pays, les banques multilatérales, comme je l'avais dit tantôt, mais également les financements privés. Donc, ce tableau, pas très lisible, mais que vous pouvez zoomer pour regarder mieux, c'est vous donne la liste des différents mécanismes de mise en œuvre des institutions concernées, mais également les fonds qui sont disponibles là. La liste, elle est exhaustive ici, mais je ne veux pas tout lister ici, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des fonds comme le fonds d'adaptation, le fonds climat Afrique, le fonds les changements climatiques pour l'Afrique, il y a des fonds africains pour les énergies renouvelables, il y a le fonds vert climat, etc., etc. Alors, ces fonds-là, ils ont un inconvénient ou un avantage. Voilà, ça dépend de quel côté on se trouve. Dans tous les deux cas, il faut procéder par une accréditation pour pouvoir y accéder directement. Autrement, on y accède de manière indirecte. Donc, une institution pour cela doit aller, pour accéder directement à ce fonds, doit aller dans ce processus d'accréditation qui est un processus relativement pas simple, je dirais complexe, et qui prend un certain temps, mais une fois qu'une institution passe dedans, elle cesse d'être la même. En gros, ça, c'est mon opinion personnelle. Et donc, il y a un processus ici qu'il faut suivre, dans lequel il faut procéder d'abord il faut suivre certaines procédures légales et fiduciaires pour pouvoir être accrédité. Et une fois que l'accréditation est acquise, bien, en ce moment, bien sûr, l'institution peut accéder au fonds directement. Voilà, donc, pour chacun de ces fonds-là, il y a des critères d'accessibilité et des activités qui sont prises en compte. Donc, c'est pas tous les fonds ne sont pas disponibles pour n'importe quoi. Chacun des fonds a des principes simples. Qu'est-ce qui les définit? Sur quoi est-ce qu'il est focalisé?
et quels sont les types d'activités qu'on peut mener pour pouvoir y accéder. Donc, par exemple, je prends ici le fonds vert climat. Le fonds vert climat, il est beaucoup plus focalisé sur l'atténuation, l'adaptation et l'adaptation sobre justement en émission de gaz à effet de serre et les activités qui sont un peu transcendantes. Donc, entre adaptation et atténuation. Les activités phares qu'on peut définir là-bas, c'est des activités liées donc, à la génération d'énergie, énergie renouvelable et à son accès, les transports, les forêts, l'utilisation des terres, le bâtiment, etc., etc. Et très souvent, ce financement-là, il est alloué à travers des prêts, à travers des prêts concessionnels avec intérêt ou bien à travers des garanties. Alors, le fonds vert climat, c'est le fonds vert, le fonds de l'adaptation, le fonds de l'environnement mondial, on appelle le FEM, ou le Global Environment Facility Fund, lui, il est également avec ses objectifs et ses mécanismes de financement, y compris la nécessité parfois, et dans la plupart des cas des fonds multilatéraux, il y a le concept de cofinancement qui est requis. Le cofinancement ici, c'est que pour chaque projet qui serait défini et qui serait financé par l'un de ces fonds-là, multilatéraux par exemple, il y a nécessité de définir une partie qui sera contribuée par le bénéficiaire de ce fonds-là ou l'entité de mise en œuvre. Le fonds d'adaptation également, c'est pareil. Lui, il est le seul fonds qui est exclusivement dédié à l'adaptation. Et cette adaptation peut être dans divers secteurs, les ressources en eau, l'utilisation des terres, l'agriculture, la santé, les infrastructures, l'écosystème et j'en passe. Très souvent, son mécanisme ici, c'est des dons. Donc, une fois que le fonds est alloué, il faut juste justifier les fonds à travers donc, les mécanismes de justification proprement disponible. Alors, c'est l'un des fonds qui ne nécessite pas un cofinancement dans certains cas, mais dans la plupart des cas, il nécessite un cofinancement. Donc, le cofinancement, le fonds d'adaptation ne requiert pas, pardon, de cofinancement pour les projets qu'il finance. De principe et de manière explicite, si l'objectif du projet, justement, était vraiment dans le sens de l'adaptation ou bien le renforcement de la résilience des systèmes de communauté. Voilà, donc c'est l'un des fonds qui ne nécessite pas de cofinancement. Il y a d'autres fonds hein, qui sont là et que je liste ici, qui sont un type bilatéral. Bilatéral, c'est entre pays. Donc, par exemple, vous avez le Fonds global du partenariat qui est mis en place par l'Allemagne et le Royaume-Uni, mais aussi le Danemark, et qui est mis à disposition à certains pays africains comme le Ghana, le Kenya, la Namibie, la Tanzanie, l'Ouganda. Vous avez le fonds, par exemple, international de Climate Initiative, donc l'Initiative internationale climat, qui est un fonds mis à disposition par l'Allemagne et qui est relativement dédié aux pays africains. Voilà. Donc, en gros, pour les pays africains, il y a pas mal de mécanismes bilatéraux comme ça qui existent et qu'on peut prendre avantage de ça, justement, pour pouvoir mettre en place des projets bancables et pouvoir lutter contre les changements. Alors, j'avais parlé de marché d'obligations vertes ou marché d'obligations bleues, selon le cas. Qu'est-ce que c'est une obligation verte? Voici des liens de vidéos YouTube que vous pouvez regarder également pour cela. Ce qui est important ici, c'est de mieux comprendre que c'est un concept qui s'applique à un certain nombre de secteurs. Donc, le secteur de l'agriculture, le secteur de la vie marine, des océans, mais aussi de la nature. Et ces financements-là, ils font partie, ces financements verts ou bleus, obligations vertes ou bleues font partie du financement qu'on appelle le financement durable.
Mais quand même, il y a une certaine tendance à séparer les obligations bleues des obligations vertes. Donc, parce que les obligations bleues demeurent une sous-catégorie des obligations vertes. En gros, ce diagramme-là vous montre un peu, en gros, de manière schématique, l'interconnectivité qu'il y a entre donc, ces financements. Il existe trois types fondamentaux de financement d'obligations vertes. Donc, il y a le financement direct de projets climatiques, y compris les obligations de projet et les obligations de recettes municipales. Il y a le refinancement direct des projets climatiques, y compris les obligations de projet et les titres adossés à des actifs. Et il y a le refinancement qui consiste à remplacer un financement existant par un nouveau financement. Donc, le financement direct ou le refinancement des projets climatiques grâce à des créances avec l'utilisation des fonds qui sont déjà alloués dans le cadre des fonds verts ou bien des fonds. Alors, et cette. Ce diagramme vous donne un peu en résumé les financements verts concernant essentiellement les pays développés et l'Afrique, qui sont donc bien sûr dans la bonne position par rapport à l'accès à ces différents financements. Néanmoins, il existe quelques financements verts émis en Afrique. Donc, en Afrique aussi, on a des pays qui sont mis dans ce type de financement-là. Et leur exemple est donné ici avec l'Afrique du Sud en 2015, par exemple, qui avait pas mal d'obligations d'obligations vertes et bleues mises à disposition. Je prends l'exemple justement de l'Afrique du Sud pour résumer un peu sur l'obligation verte de la ville de Johannesburg, par exemple, en 2018, et qui était les premières villes africaines donc à émettre sa première obligation verte à la bourse de Johannesburg en Afrique du Sud. Le prix de la bourse de l'obligation était de 1,46 milliards de rand, fixé à 185 points. Donc, elle est même supérieure à l'obligation de l'État en ce moment-là. Alors, les fonds collectés ont financé des initiatives vertes, comme des projets de transformation du biogaz en énergie, l'initiative Solar Geyser, ainsi que d'autres projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à contribuer donc à la résilience de la ville. C'est pareil également pour d'autres exemples pionniers, comme c'était le cas aux îles Seychelles. Et là également, les îles Seychelles ont lancé la première obligation souveraine bleue au monde, destinée à soutenir des projets dans le domaine maritime et des pêches durables. Et cette obligation-là était de l'ordre de 15 millions de dollars auprès des investisseurs internationaux. Voilà. Alors, les recettes de cette obligation bleue ont permis justement de financer l'expansion des zones marines protégées, l'amélioration de la gouvernance des pêches prioritaires et le développement de l'économie bleue des Seychelles. Les subventions et les prêts devaient être apportés par les fonds de subvention bleue et les fonds d'investissement bleu. Voilà. Ce sont des rapports que vous pouvez lire facilement pour mieux comprendre et être en mesure justement d'ancrer un peu la connaissance de ces obligations vertes, obligations bleues, dans le contexte donc des financements. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour vous. Mais avant cela, je vous incite à aller prendre votre évaluation. Il y a donc une dizaine de questions qui est posée en ligne. Allez-y sur la plateforme et puis répondez aux questions. L'avantage de ces questions-là, c'est que vous puissiez vous auto-évaluer, mais également, ça nous permet d'avoir assez d'indicateurs pour qu'à la fin, vous ayez accès à un certificat de formation. Merci beaucoup.